Surtout, je ne peux pas récupérer cette cobble. Évidemment, c'est pas le droit de vous voilà. Un sou. Ça tombe bien. Moi. Donc ce n'est pas que la mousse inflammable, c'est juste que peut le briquet est efficace sur n'importe quel bloc pendant un certain temps. Bon, donc là je spawn, nous avons pas spawné tant qu'il y a encore des flammes. Mais dès que les flammes vont disparaître, il va y avoir du niveau des spawns. Voilà. Dès que ce sera détruit, voilà, dès qu'il n'y aura plus de reste une flamme, voilà, on va faire cette lumière pour empêcher l'araignée de spawner. Voilà, la partie du monde tout ça. Bon, cela dit, c'est pas mal. Il a l'air de faire jour, je vais l'artiller, je vais tomber jeune de plus soleil. J'ai de la stone sur moi, j'ai du pain, je crois que la pièce. Je vais laisser faire le mal du sol et je tiens le départ en direction du spawner. Tout en marquant évidemment mon chemin. Donc. Ah bah oui, vous voyez qu'il n'y a pas de... J'ai pas de charbon. Pas de charbon. Voilà. Parce que je vais essayer de reprendre le chemin de tête. Ça me semble chaud. Je vais essayer de rattraper ça. Les 100 torches et puis je retiendrai obligatoirement le voilà, je me prends en direction. Je vais me lever comme ça. C'est une astuce que j'utilise après le volume. Voilà, donc dès que je peux, je passe des torches là-dessus. Un petit camion. J'essaie de retraverser une forêt.
Non, mais juste là. Ceci en mouston, ça donne un petit peu un effet creeper, c'est assez amusant. Donc ici, normalement, la mutant laisse tomber un peu celui-là en spawn. Alors que même si je mourrais, je ne vais rien à faire. Voilà, donc du coup, effectivement, on va s'en faire ce que l'on a. Là-bas. Après, hein, la solution est de la même culture, c'est de mettre des minecartes pour faire vos chemins. Ici, ce sera notre avec ici, on spawn, on prend le spawn. Je n'ai pas compté là, autour, là, à largeur. Il y a ce problème. En stone list, ça aurait été pas mal, non? Bon, il faut s'agir de récupérer plus, j'essaie de rejoindre ma barre le plus possible. Donc vous voyez, on était vraiment pas loin. J'espère juste ça, c'est qu'il n'y a pas de mal qui sera apparu dans la barre, parce que l'autre a mis sur ce jeu. Ok. Tout est bien passé. Pourquoi on peut toujours ça? J'ai plus de capteurs. Également. Mais je trouve que c'est très bien que Notch rajoute ça au jeu. Donc, je ne dis pas de bêtises, la flotte existe depuis la version 1.5. Bon, plus de temps de mort. Non. Je pense que vous en ayez un peu du ménage, en plus j'ai toutes les ressources qu'on peut, excepté une ressource évidemment que je vais prendre au passage. Donc on va éliminer le... Non, surtout pas. Oh, allez, voilà, je joue comme ça. Donc je vais simplement rejoindre voilà, ceci. J'ai besoin de ci, donc c'est plus profond. Et donc j'ai besoin de ce glaive. Alors, le sous-glave peut servir de combustible dans les fours et vous permet de faire fondre 100 blocs de ce que vous voulez. 100 n'étant pas un nombre rond, comment vous voulez, ça peut être équivalent d'un stack et demi, quoi, en gros. C'est ça, un stack et demi plus 4, donc voilà, donc ça n'est pas du tout rond. Franchement, s'il faut être derrière son four et attendre que son stack descende pour économiser,
Non, franchement, non. Quel boulet, je pense que ça prend un acte. Je suis un peu ça. Ça paraît sur bon, j'en étais où dans mes exposés de monstres? Bon, j'avais fini mes exposés de monstres. Peut-être les monstres du Nether, que je peux déjà expliquer, même si je comptais en fait les expliquer quand je serai dans le Nether. Non, je vais les expliquer quand je serai dans le Nether. Évidemment, et c'est la run que j'avais en manquant. C'était ce fameux Iron que j'ai là-haut. Ce fameux, je le ferai. Donc en même temps, ça me permet d'analyser un petit peu le terrain. Oh putain, donc je vais encore faire un aller-retour. Allez, je le tape. Donc voilà. Super. Un pixel qui dépasse, ça va être plus. Ça, c'est pas le cas. Oh, j'ai mal. Donc ça, le stock. Ça va être plus. Il est sur la gauche. Donc quand vous êtes à quand vous êtes à votre gauche, quand vous êtes droitier, vous récupérez donc c'est juste. Non, je veux dire, si le squelette est à votre gauche, quand vous êtes droitier, il tire donc à sa droite. Et vous n'avez pas vous mettre une arme comme ça pour le frapper, il ne pourra pas vous toucher. Étant donné qu'il ne combat pas à distance et pas au point de combat. Plutôt à les endroits. Donc je passe.